This is Sparta! Bien le bonjour, mes petits pandas. Comment ça va? Toujours aussi chaud et toujours aussi chiant. Donc, je sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai toujours mon marteau stylé, et j'ai toujours mes 3 followers sexy, et il y a toujours l'archiviste derrière qui est moche. Donc, on s'était laissé ici avant, parce que l'autre F là, Mary, elle avait besoin d'un truc, donc elle a invoqué le droit de blablabla. Et l'autre, elle nous a dit bah, c'est ok, c'est good, mais avant ça, tu vas faire une petite mission pour moi. Faut aller tuer un gros monstre qui a buté 3 de nos chasseurs. Et puis ensuite, je te donne le truc. Donc, sur ce, on va le faire tout de suite. Mais on va garder un petit peu la masse. Enfin, la masse à deux mains, si tu changes. La caverne doit être près du camp. Autrement, l'archiviste éloignerait simplement les chasseurs. Ouais. Ouais, on va faire une petite randonnée là, c'est bon pour la santé. Non, on va prendre ça et le filer. Voilà, voilà. Oh là là, comme je vous avais pas vu venir. Merci, comme celui-là non plus voulait pas venir. On s'en est sorti. Mais il n'y a pas de quoi s'enorgueillir. Oh, c'était que des soldats de merde. Le truc a bugué. Ah putain, le truc a bugué. C'est super. Bon, c'est bon, ça a arrêté de bugger. Ouais, relève-toi que je te défonce la gueule. Ah oui, je m'en souviens de ce qui se passe ici. Bon. Attention, pour ceux qui n'aiment pas les araignées, si c'est sur pour ceux qui l'ont pas vu, avancez dans la vidéo, ceux qui aiment pas les araignées. Voilà. C'est bon, vous avez avancé dans la vidéo. Ok, bon. 3, 2, 1, il y a des araignées. Ah oui, et j'ai oublié de dire, pendant cette mission, il n'y a pas de healer, vu que Meryl n'a pas de sort de soin. C'est super! Tu ne sers à rien, Meryl. Enfin si, tu sers à quelque chose, mais bon, je vais pas le dire. Bon, j'ai gagné. Merci. Bon, petit bug de Fraps. Donc je disais, je viens de gagner cette arme, mais bon, c'est un petit peu pareil. Donc on reprend là où on redonne Common Sword. Voilà.
Et sinon... dans 9. Wow. Putain, je commence... j'ai du super dans... super stuff. Voilà. Levez-vous les morts. Pas que ça à faire. Je dois tuer un espèce de serpent de pied ou je ne sais plus trop quoi là. Pourquoi est-ce arrivé? Oh, Arshal. Je suis désolée. Je le dirai à Ineria. Non? Ouais, non. C'était juste. C'était juste un truc comme ça, random. Bah, attention, araignée. Araignée pour ceux qui n'aiment pas les araignées. Voilà, je vous laisse encore avancer dans la vidéo ou fermer les yeux. Mais bon, c'est mieux de faire d'avancer dans la vidéo. Bon, 3, 2, 1, araignée. Pour les autres, je viens de faire un multi-kill. Allez. Et voilà, ça c'est ce qu'on appelle du village. Ah, alors tu te cachais là, espèce de petite coquine. Elle mourut dans d'atroces souffrances. Attends, elle avait un truc? Non, elle avait rien à goûter. Bon, allez, maintenant c'est des... Non, bon, les cadavres, je crois que ça va être au retour. Il y a quelqu'un? Montrez-vous, il n'y a rien à craindre. Bonjour. Loué soit Andras. Pardon, les faiseurs. J'ai bien cru que je ne sortis. Meryl? Anethara, Paul. Tu es blessé? Arrière! Qu'attends-tu de moi? Voyons, Paul, quelle mouche te pique? Je suis venu t'aider. Ne t'approche pas! Ne me touche pas! C'est que Meryl, hein. Même si elle le voulait, Meryl serait incapable de vous faire du mal. Au pire. Elle pourrait vous faire des grimaces. Elle ferait bien pire que cela. Ignorez-vous ce qu'elle est? À moi, faiseur! À l'aide! Paul, non! Il faut le rattraper, vite! Je mets au pire, elle pourrait vous faire des grimaces. Ouais, je suis sûr que ces grimaces, ça serait plus puissant que ses sorts. Hein. Ah là là. Enfin. Ignorez-vous ce qu'elle est? Bah, c'est une elfe qui est sexy. C'est pourquoi il y a un truc, c'est je sais pas, vous pensez avec votre cerveau? Oui, je pensais avec mon épée. Et non, je parlais pas de l'épée, tu sais. Tu parles de quelle épée là? Surprise, motherfucker! Tiens bon, Paul, nous arrivons. Mon de Dieu, quelle créature hentai on va encore affronter? Grand fracas dans sa face. Un point de pierre dans sa face. Attaque sournoise dans son cul. Et il joue à souffle. Et un assaut dans ses couilles. Comme ça, ouais.
dépouiller. Je m'en occupe. C'est à part sauter sur place, tu sais faire quoi? Bon, tu sais m'étourdir, mais bon, ça c'est... Ça c'est merdique. Arc, c'est quoi ce truc dégueulasse? Attention araignée, attention araignée, attention araignée. Voilà. Ah bah enfin, il l'a mis son grand fracas, putain. Terminé ! Je suis désolé. Je n'en peux plus. Pour ceux qui n'ont pas vu, il y a... Lame de miel, wow, super. Botte lourde, c'est de la merde. Ici. Ah, nous en train, elle est en train de cracher des trucs à la gueule. C'est super sympa. Bah, tu le fais ton second souffle. Je ne tiendrai pas longtemps. Ouais, comme ça tu tiens plus. Je sais pas, tu tapes sur tout ce qui bouge. Mais je t'ai dit de mettre le grand fracas, putain. Aïe, yeah, j'ai eu le coup de grâce. Oh, bitches. Paul, peut-être n'est-il pas trop tard. Et si nous l'amenions à l'archiviste? Elle est capable de soigner n'importe quoi, ou presque. Il est mort. Aucun guérisseur ne pourra le sauver. Pourquoi t'es-tu enfui? Tu n'aurais pas dû t'enfuir. Tu désires que je te laisse seul? Vous voulez rester seul un instant? Non. Merci. Je... Nous avons mieux à faire que perdre du temps à pleurnicher. Paul n'était pas comme les autres. C'était un citadin. Un homme du monde. Il a fui Deneri, mais nous a trouvés. J'étais persuadée que si quelqu'un pouvait comprendre, c'était lui. Quelque chose ne tourne pas rond. Je dois voir l'archiviste. Ok, bon, on y va. Après avoir fouillé tout ce qu'il y avait dans le coin. Le cœur du Varteran. Sinon, faudra aussi que j'aille à l'auberge du pendu, vu qu'il y a quand même un cadeau à offrir à Isabella pour se faire bien voir. Bon, le trésor j'ai déjà pris. Donc c'est par là.
Et on va voir les squelettes en chemin, je suis sûr. Paul, que lui est-il passé par la tête? Il a réagi comme si j'étais un monstre. Inutile de culpabiliser, chaton. Les hommes font parfois des choses insensées. C'est les squelettes, on arrive. Préparez-vous. En fait, j'ai tellement de force qu'en fait, je les démonte à chaque fois. C'est genre un coup, boah, je les envoie à 2 mètres. C'est genre un coup, boah. Merde. J'ai l'œil pour les richesses. Shandan, prudence, Yéphaline. Puisse le loup implacable ne jamais te retrouver dans l'après. Apportons leurs amulettes claniques à l'archiviste. Ainsi, leurs familles sauront qu'ils sont morts en brave. Bah, ils sont fait tuer par des araignées géantes et des squelettes, hein. Y a vraiment rien de réglé dedans. La façon dont ils m'ont tous regardé quand nous sommes arrivés au camp, quelles rumeurs ont bien pu circuler à mon propos? Ils doivent me considérer comme une menace bien pire que l'enclin. Ouais, en fait, ils ont fait circuler que tu baisais avec tout le monde et puis ensuite tu leur arraches la bite pour la manger. Oui, je viens de me rendre compte que c'était particulièrement dégueulasse. Il n'avait aucune raison de me craindre. Tout ça est insensé. Eh oui. Tiens, des ombres. Pas changé. Quoi, triple kill, bitch. Secondes, 6 morts. Enfin, plus de 6 morts. Même. Assez, finissons-en. Crève, Sharon. Mais je t'ai dit, mais t'es tout bien, bordel de cul. C'est parti, traçons ce chemin que nous traçons. Sinon, j'espère que l'épisode de Mass Effect vous a plu, hein. Si ça, c'est pas de l'action, je sais pas ce qu'il vous faut, hein. Ouais, on a tué l'espèce de mille potes super bizarre. Hentai of Doom. Oui, pour moi, tous les monstres bizarres et tout, c'est Hentai. Vous avez un talent incroyable, Meryl. Je pense que vous allez accomplir de grandes choses. Merci. Mais vous êtes stupide. Pardon, vous vous avez dit? Ne croyez-vous pas qu'il serait mieux de construire quelque chose ici et maintenant, plutôt que d'essayer de ressusciter une gloire passée? Non, pas du tout. C'est même l'opposé de tout ce que j'ai toujours dit. Et c'est moi qui suis stupide? Incroyable.
Ouah, comment ça commence à clasher! Ouah, Meryl, tu remontes dans mon estime! J'aime bien Vin, vous êtes destiné à faire de grandes choses. Ah, merci! Mais vous êtes stupide par exemple. Par contre, mais aimez-en! Méchant! Vin méchante! Enfin bref, j'en profitais pour aller vendre le bordel. Salut, espèce de. Oh, Meryl, tu es revenu. Comment s'est passé ton séjour chez les Chemlen? Il n'était qu'amour et beauté, maître Hélène. Le bas-cloître est superbe au printemps. Les cabanes en ruine et les brutes, ivres mortes, sont sublimées par une boue qui arrive aux genoux. Ce chemin, c'est toi qui l'as choisi, Meryl. Ton choix a d'ailleurs beaucoup attristé le clan. Si le clan était plus ouvert aux anciennes méthodes et ne baignait pas tant dans la peur, peut-être que... Silence! Nous n'allons pas nous chamailler devant ces étrangers. Ce qui est fait, est fait. Pardonnez ce spectacle. Recommençons à zéro, voulez-vous? Je suis Maître Hélène, humble artisan au service de ce clan. Nous avons été contraints de ne pas nous éloigner de cette ville Chemlen. Alors ça, oui, j'ai vu un paquet d'étrangers traverser notre camp. Vous cherchiez quelque chose en particulier? Mais t'es con, on s'est déjà vu. Vous êtes un spécialiste? Quel genre de choses fabriquez-vous? Les artisans d'Alassien sont très polyvalents. Armes, armures, ils font tout ce dont a besoin notre camp. Oui, c'est ça, je n'ai besoin de rien. Pas de problème. Bon, refouleur, lame de miel, hubris, micro-coupure, hache de guerre, et tout bordel, botte lourde, charme du monteur, tu dégages, ceinture d'alassienne, tu dégages aussi, vas-y, ça c'est toujours bien, ça aussi c'est toujours bien. Voilà, bon, le merdier. Et c'est tout. L'artisanat d'Alassien n'a pas d'égal, je vous le garantis. Ouais. Pour l'instant, t'as pas trop tort, ça va. Si vous prenez le chemin des terres brisées, merdez où cette conne. Prudemment. Là-bas, quelque chose n'attend que de fondre. Salut Archiviste, on est revenu. I'll be back. Le Varteral est mort. Maceranas, je suis soulagé de savoir que nous n'avons plus à porter le deuil par sa faute. Nous avons trouvé ceci. Je vais les rendre à leur famille. Nous avons perdu Paul. Dans la caverne, il a pris la fuite en me voyant et s'est jeté dans la gueule du Varteral. De nombreux membres du clan craignent que la corruption se propage en utilisant le miroir, ou pire encore. Et où vont-ils chercher cette idée? Je suis leur archiviste, Dalen. Je me devais de les avertir. Il n'est pas trop tard pour que tu nous reviennes. Réfléchis, rien ne t'oblige à vivre seul. Nous en avons déjà parlé. Vous n'accepterez jamais ce que j'ai entrepris. L'Éluvienne est un piège. Il nous a coûté Tamlen. Il t'a poussé vers la magie du sang. Le laisseras-tu te détourner davantage de ce que tu es? Et que suis-je? Nous avons rempli notre part du contrat. À vous d'honorer la vôtre. Donnez-moi la Ruline Holm. Hawk, puisque Meryl refuse de m'écouter, je vous confie cet héritage ancestral de mon clan. S'il vous plaît, ne la laissez pas faire. Loués soient les faiseurs. J'ai cru un instant qu'elle allait revenir sur sa parole. Mais quand même, l'archiviste a raison. Meryl, l'Éluviane détruit votre vie. Ne faites pas ça. Vous prenez le parti de l'archiviste? Je sais bien que c'est dangereux, mais il peut rendre sa quintessence à mon peuple. Je sais ce que je fais, Hawk. Donnez-moi la Ruline Holm. Alors là, il y a un choix. Il y a un choix, c'est bien.
Enfin, comme vous voyez, les trois flèches signifient que ça n'a aucune action, si je réponds gentiment ou si je l'envoie chier. Donc, non, vu que ça lui détruit la vie, que ça fait tout le bordel, que ça fout le bordel partout, et qu'elle en devient incro, quoi. C'est comme une drogue de faire son truc, donc non. Je le garde. Je ne peux pas vous laisser faire ça. Vous gardez l'inestimable relique de mon clan. Vous n'en avez pas le droit. Vous n'avez aucune parenté avec les Dalassiens. Je n'en crois pas mes oreilles. Pourquoi vous ai-je fait confiance? Vous n'êtes qu'un Shemlen, comme tous les autres. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Bon, je m'en bats les couilles que tu me détestes, tu me remercieras plus tard quand je t'aurai sauvé la vie. Bon, sur ce... Si vous prenez le... Ta gueule, tu l'as déjà dit, tu te répètes, le vieux. Ouais, là, on va aller voir autre part si j'y suis. Ouais, l'auberge du pendu, parce qu'on a un truc pour Isabella. Putain, ce qui fait chaud. J'espère que vous êtes tous bien, mes petits pandas. J'aimerais sûrement pas entendre que vous avez fait un malaise à cause de la canicule, franchement. Ta gueule. C'est un compagnon. Ouais. Tu consommes ou tu dégages? Ouais, comment ça parle mal? Je fais ce que je veux. Mais comment toi t'es bourré? Ouais, ouais, hutte de Myril. Je peux même pas aller me raser les poils. Ouais, Myril. Comment avez-vous pu me faire ça? Comment avez-vous pu voler à mon peuple une relique d'une valeur inestimable? J'avais confiance en vous. J'essaie de vous aider, putain, ouvre-toi les yeux. Votre obsession pour ce miroir vous a poussé à l'exil avant de vous faire plonger dans la magie du sang. Elle vous pourrit la vie. Passez à autre chose. C'est moi qui ai choisi la magie du sang et l'exil. Les Luvianes n'avaient rien à voir là-dedans. L'archiviste et vous ne cautionnez peut-être pas cela, mais c'est moi qui ai choisi de suivre ce chemin, en toute connaissance de cause. Je n'arrive pas à croire que j'ai pu être aussi bête, à croire que vous alliez m'aider. Partez, j'aime autant être seule. Bon. Sinon, statuette ? J'ai quelque chose pour vous. Oh, c'est Maître Hélène qui vous a donné ça? Ça m'a tout l'air d'être son œuvre. Il sculpte toujours des halles dans des petits morceaux de choses et d'autres. Quand il nous a fallu quitter Ferelden,
L'archiviste a dit qu'il en avait tant qu'il faudrait 10 vraies halles pour déplacer tout ça et prendre la route. Vous sentez tous fous, vous avez l'air triste. Vous êtes nostalgique ? Non, non, je suis heureuse de mes choix. Votre présent me touche. Je ferais bien de le poser ailleurs. T'as joué au fracado, elle est encore pas contente. Énorme pas. J'aime bien, tu sais, donnez-moi ça. Non. Ok, 25% de rivalité dans sa face. Je reviens la voir après. Je vous ai confiance. Boum, dégage d'ici. Boum, encore 25%. Puis là, je lui donne un cadeau. Elle dit, ah, votre présent me touche. Mais je suis quand même putain d'énervé. Et hop, 15%. What? Putain, Meryl. T'es quand même... bizarre. Enfin, bref. Les docs. Est-ce que je dois aller leur dire que la patrouille qu'on a disparu pendant qu'on allait aider les mages... Eh ben, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, comme des merdes. Salut! J'ai retrouvé votre patrouille. Elle ne reviendra pas. Vous m'avez privé de mon devoir, Basra. On nous avait confié cette tâche, mais vous l'avez accomplie à notre place. Prenez ce qui devait nous revenir. Voilà, deux pièces d'or. Deux pièces d'or durement acquis. Enfin. Réconfort de Binky. Binky. Putain, on dirait une épée de Final Fantasy là, tellement la lame elle est grosse. Comme ouah. Enfin bref. Mais n'empêche, la meilleure arme, je crois que c'est celle-là. Putain, ce qu'elle est stylée, sexy. Oh. Enfin, non, pas sexy. Isabella et Aveline sont sexy, pas mâche. Enfin bref, qu'est-ce que j'ai d'autre sur la carte? C'est quoi ça? Vie, la toit du humier. Bon, on est dans le coin, donc on y va. Tout ça, une petite sauvegarde. Voilà, sauvegarda. Béni soient les pacificateurs, champions de la justice. Ok, si tu le dis, paix et amour sur ton peuple. T'es tiré de quoi comme ça? Vous aviez égaré ceci? Bénissez mon esprit étourdi, je n'aurais jamais pensé revoir cet objet un jour. Merci. Bon bah voilà, ça c'est fait. Bon voilà, 4 pièces d'or gagnées en 30 secondes. Yo ! Votre mou exprime la haine, mais vos yeux me parlent d'amour. Tu parles à qui là ? À Aveline ? Bah, direction la chanterie. Pour aller chanter. Blague de merde. Le chou altère mon esprit et mes blagues. Donc du coup, si je fais des blagues de merde, c'est pas ma faute. Voilà. C'était l'excuse du panda. Alors, vous vous servez du capitaine de la garde pour accuser la grande prêtresse de soutenir des fanatiques. Ouais, c'est ça. Faisons attention à ce que nous disons sur ce Kunari disparu. Il y a des jours, Hawk. Il y a des jours tous les jours.
La grande prêtresse, s'il vous plaît. Dites-lui... Dites-lui que cela concerne les Kunari. Sera Hawk? Sœur Petris. Mère Petris, les temps ont changé, pour vous comme pour moi. La grande prêtresse Eltina n'accorde pas audience à n'importe qui. Que voulez-vous? Des soucis des Kunari et vous revoilà. Comme c'est bizarre. Oh. C'est amusant comme vous et les ennuis concernant les Kunari semblent aller de pair. Et vous ralliez toujours leur camp. Lors de notre dernière rencontre, j'étais encore naïve. Je ne souhaitais pas votre mort, mais je sentais qu'une mort serait nécessaire. Ouais, la tienne. C'est peut-être trop subtil pour vous, mais vous devez bien admettre que cela vous a plutôt réussi. C'est, vous avez monté ce coup contre moi, et du coup, c'est moi qui vais te donner un coup. Je vous connais. Je sais que quelqu'un abuse du sceau de la grande prêtresse. Pour qui vous prenez-vous pour venir ainsi contester les serviteurs de sa grâce? Je suis désolée, mais je ne vois aucune raison de vous laisser passer. Si, mon épée, Famash. Le pouvoir est à l'origine de l'enlèvement d'un Kunari. Duel de regard. Ce silence indique que vous saviez. Mais qu'en est-il de sa grâce? La grande prêtresse compte sur ses intendants pour accomplir la volonté du Créateur. Oh, vilaine fille, tu vas avoir droit à la fessée. Allez hop, tu sais ce qu'il te reste assez à faire. À quatre pattes, moi, t'es fesse. Vilaine fille, tu vas avoir une fessée. On dirait que vous n'avez pas été sage. Voilà qui devrait choquer sa grâce, ça ne fait aucun doute. Vous vous entêtez. Très bien, Sera Hawk. Puisque vous ne voulez pas céder, permettez-moi de vous proposer quelque chose. Tu me payes en nature ? Le que vous recherchez est un radical qui a perdu en fiabilité. L'affronter pourrait nous être bénéfique à tous. Et qu'est-il pour vous ? C'était autrefois mon garde du corps, Ser Varnell. Faites comme bon vous semble, mais c'est ma proposition. Voyez cela comme une réconciliation. Retrouvez-moi à cet endroit. Je vous invite, Sera Hawk, à constater par vous-même le trouble qu'ont semé ces Kunari. Inutile de dire que je suis sceptique. C'est son petit jeu pour l'instant. Moi j'aime les jeux comme ça, surtout quand elles sont vilaines, les filles. T'as le droit de remettre quelques petites claques sur le fessier. Les donations en faveur de la chanterie sont toujours les bienvenues, mais Sera. Je peux donner des donations liquides ou donations de chair. Non. Alors, comment est-il, ce Donic? Il assure le service. Oh, allez-y, que ça sorte une bonne fois pour toutes. Mais n'est-ce pas? Est-ce qu'il a cueilli votre rose? Fait scintiller son épée, fait s'élever votre âme, vous a montré son cadis. Est-ce qu'il s'est agenouillé devant votre créateur ou fait bouillir votre sang avec sa souillure? Un classique. Oui, d'accord. C'est un amant très doué. Vous êtes contente? Mais enfin, c'est très personnel, vous ne trouvez pas? Putain, j'adore ces deux-là. En clair, elle parle de pite, pite, pite. Elle demande si ton équipe baisse bien. Et puis toi, tu dis, ouais, ça va, c'est correct. Puis l'autre, elle dit, bah, ça se dit pas de dire à quelqu'un. C'est moi, tout. De nombreux réfugiés ont encore besoin d'aide. Chacun de nous doit apporter sa pierre à l'édifice. Attends, tu peux me dire comment... Merde, elle me tombe de touche, ça. Ouais, je crois que j'étais enfoncé dans le sol. Comment tu peux voir quelque chose alors que t'as un voile devant les yeux? Franchement, dis-moi. Non, on peut pas voir sous la jupe. Non! On peut pas voir sous sa jupe et on voit... elle arrive même pas à voir alors qu'elle a un voile devant les yeux. C'est normal, hacker cool! Enfin, bref. Attention à la potence. Non.
Je sais pas, on va aller dessus, on va rester ici. Voilà, c'est devant les portes de Minas Tirith. Enfin, je rigole. Enfin. On va se laisser ici pour cet épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment à regarder cette vidéo. Merci d'être de regarder toujours mes vidéos, même si j'ai l'impression qu'il y a à peine 5-10 personnes qui les regardent, c'est pas grave. Donc faites attention à la canicule, buvez toutes les heures, enfin les recommandations du sage, vous pouvez trouver tout ce qu'il faut faire pour vous protéger sur internet. Et sur ce, je vous dis à bientôt, merci les pandas, bon week-end, bonne semaine, et gardez la forme, ciao, bonsoir, ou bonjour, ça dépend.